On se retrouve sur iTélé pour le débrief et les débats de tirs croisés. Bonsoir Ludovic Vigogne de l'Opinion. Bonsoir Laurence. Et bonsoir Charles Consigny du Point. Mes respects. Vous avez écouté le Premier ministre sur notre antenne. Évidemment, je le sais. On va essayer de décrypter avec vous les nombreuses étapes de cette interview. D'abord, la réponse qu'il a faite à la polémique autour d'Emmanuel Macron. Il était très énervé, effectivement, qu'il y ait un tel écho dans la presse sur ces extraits d'Emmanuel Macron. Écoutez ce que le Premier ministre a répondu. Emmanuel Macron s'est excusé, vous l'avez montré tout à l'heure à l'Assemblée nationale, dont acte, il a tout simplement voulu dire qu'il défendait ses salariés, qu'il se préoccupait de leur avenir quand il y a la possibilité malheureusement de perdre son emploi. Cette société GAD, le gouvernement s'en occupe directement, Stéphane Le Foll. Mais l'illettrisme, ce n'est pas le manque de formation professionnelle, c'est autre chose l'illettrisme. Des propos que vous, vous excusez ou pas? Non, mais bien évidemment, le ministre s'est excusé. C'est suffisamment rare dans la vie politique qu'un ministre ou qu'un responsable s'excuse pour des propos. Ça m'est arrivé aussi il y a 2 ans à l'Assemblée nationale. C'est suffisamment rare pour qu'on n'en rajoute pas. Cet épisode est derrière nous. Emmanuel Macron a dit ce qu'il avait à dire tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Il est totalement engagé pour les salariés. Je ne crois pas que cela mérite qu'on en fasse autant et depuis des heures. Ludovic Vigogne, il est exaspéré par quoi? Par ce qu'a dit Emmanuel Macron ou parce que la presse en retient? Il est exaspéré de devoir commencer son interview avec vous, Laurence, ce soir, par cette question-là. J'imagine qu'il aurait voulu qu'on revienne davantage d'abord sur son discours de politique générale d'hier et puis sur son action. Là, c'est vrai que c'est une polémique qui est un peu embêtante pour la gauche, surtout qu'elle vient 15 jours après l'histoire des 100 ans, et donc ça fait beaucoup. Et puis en plus, je pense qu'il est gêné. C'est vrai que c'est gênant, parce que ce qui était intéressant aujourd'hui, c'était qu'on a bien senti qu'il a été très maladroit, c'est vrai, Emmanuel Macron. Mais en même temps, il a mis le doigt sur quelque chose qui est une réalité, visiblement. Il y a des leaders syndicaux, vous les recevrez, vous les interrogerez sur la question, ils sont très sensibles. Je crois que c'est le cas de Thierry Le Pen, par exemple. L'illettrisme existe. Questions. Mais exactement. Là, la question, c'était le manque de formation, ce qui, évidemment, n'a rien à voir. Ça a été très maladroit, c'est vrai. Et bon, mais j'imagine que, voilà, il aurait aimé commencer son interview par autre chose. Charles Consigny, ici, une méthode de Nicolas Sarkozy de taper sur la presse. Hein. Ben oui, mais la presse le mérite. Hein. C'est toujours un aveu de faiblesse. La presse le mérite, et moi, je trouve les hommes politiques, au contraire, bien indulgents avec la presse dans bien des cas. Là, typiquement, il me semble que la polémique est quand même un peu montée en épingle par les médias. Parce qu'il s'agit de femmes ? Non, mais parce que tout simplement, il y a des, comme vous le savez bien, il y a des chaînes d'information en continu qui ont tout le temps besoin de matière. Et là, c'est une matière rêvée, évidemment, quand un ancien banquier. Il y a l'opposition aussi qui a largement alimenté le débat aujourd'hui. C'est le député UMP qui a interrogé Emmanuel Macron. Je ne veux pas me faire l'avocat d'Emmanuel Macron. C'est sûr que ça doit lui faire bizarre, lui qui appartient à l'élite de l'élite, d'aller tout à coup voir des ouvriers qui sont le peuple du peuple. Donc forcément, là, il y a une espèce de distorsion entre les deux. Qui fait qu'il commet ce genre de maladresse qui est évidemment ridicule. Oui, c'est le manque d'expérience politique alors d'Emmanuel Macron qui ressort là. Mais c'est vieux comme Marie-Antoinette, c'est donner l'heure de la brioche. Ah oui, c'est autre chose alors. Ah bah bien sûr, moi je pense que c'est vieux comme Marie-Antoinette. C'est Christine Lagarde qui suggère aux gens de faire du vélo quand ils n'ont pas assez pour se payer leur essence. Donc, à mon avis, c'est la manifestation de ça, mais là où M. Valls a raison, c'est que je ne doute pas, moi, de la bonne foi de Macron, qui, en disant ça, évidemment, quand même, a le souci de ses salariés qu'il est allé voir. Un petit mot, Ludovic. Oui, non, il y a un mot mal maîtrisé, visiblement, de Macron, ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a une erreur de débutant Je ne suis pas sûr. Je peux... Non, mais c'est inconscient. Mais c'est inconscient. Le fait qu'il utilise l'expression illettré, c'est l'inconscient qui parle. On va parler des impôts, puisque, évidemment, c'était un des points extrêmement importants à éclaircir. On va écouter ce qu'il nous dit sur exactement la suppression de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. J'ai obtenu la confiance des députés pour poursuivre ma mission. Et à partir de là, j'ai rappelé tout simplement quelles étaient mes priorités. Et dans ces priorités, je l'avais déjà dit, c'est la baisse des impôts. Pourquoi ? Parce que faire rentrer de nouvelles recettes, j'imagine. Les impôts ont augmenté sur les entreprises et les ménages de 30 milliards entre 2010 et 2012, avec la droite. Et de 30 milliards depuis 2 ans, également sur les entreprises et sur les ménages. Il y a un trop-plein fiscal, ce qu'on a appelé il y a 1 an un ras-le-bol fiscal. Pour la première fois depuis longtemps, depuis très longtemps dans ce pays, les couches moyennes et les classes populaires verront leur impôt baisser. Enfin, 4 millions d'essais de rentrée, 6 millions
dès l'année prochaine. Dans les 6 millions de l'année prochaine, il y a 1 million de personnes qui sont concernées cette année. Et on arrive à ce chiffre de 9 millions. Le message du gouvernement, c'est qu'on continue la baisse des impôts pour les couches moyennes et les classes populaires. Oui. Est-ce que vous avez compris alors, ce qu'a dit le Premier ministre ou pas ? Alors, dans les 6 millions l'année prochaine, il y en a 1 million qui verront leurs impôts baisser par rapport à l'année suivante. Bon, évidemment, là, il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Après, bon, ils font ce qu'ils défont quand même. Hein. Là, ils défont ce qu'ils font, je veux dire. Et quand on défait ce qu'on fait, on fait du surplace. C'est eux qui ont augmenté les impôts considérablement. C'est sous le mandat de François Hollande que 1 million de personnes, du jour au lendemain, d'une année sur l'autre, se sont retrouvées, à leur grande surprise, alors même que pour beaucoup, ils avaient voté à gauche, imposable sur le revenu. Donc, ils reviennent en arrière. Pourquoi pas ? Après tout, gouverner, c'est aussi avoir le courage d'assumer qu'on a fait des erreurs. Mais moi, je me dis, quand on passe de Montebourg à Macron, quand on augmente les impôts, puis qu'ensuite on les baisse, c'est qu'on ne sait pas où on va. Non, on n'a rien compris. Et d'ailleurs, on a eu le sentiment toute la journée que personne ne comprenait rien. On a tous été surpris ce matin par l'annonce de Manuel Valls. On a eu le sentiment qu'à Bercy, il la découvrait tout autant, enfin qu'il a lancé une piste qui n'était pas tout à fait aboutie. Ça m'a rappelé l'attaque des 75%. C'était sur mon plateau à l'époque. Et François Hollande avait balancé ça et personne n'était au courant. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Laurence, mais à un moment donné, il a lu sa fiche. Voilà, comme si lui-même, il était perdu et donc il avait besoin de se raccrocher à de l'écrit, alors que pour tout le reste de l'interview, il n'a pas eu besoin de ça. On ne va pas reprocher au Premier ministre de lire ses fiches et d'essayer de... Non, mais ce n'est pas ça, mais ça veut dire qu'il se sent moins à l'aise. Et deuxièmement, moi, ce qui me surprend aussi, c'est que aujourd'hui, c'est un sparadrap pour la gauche, pour ce pouvoir. Et revenir là, sur le sujet des impôts, sans avoir une annonce claire, nette, précise, c'est mortel. Non, ils ont une annonce claire, précise, qui est qu'ils vont baisser les impôts pour... Personne n'y croit aujourd'hui. En gros, 5 millions de personnes qui vont... Mais si leur baisse d'impôts correspond à leur hausse de retraite, moi, je suis désolé, mais je ne pense pas que ça aura un grand impact, ni dans le réel, ni dans l'opinion. C'est-à-dire qu'ils augmentent les retraites de 40 euros, ce qui est vraiment un magnanime pour les petites retraites. Alors certes, il l'a expliqué, et là aussi, il faut quand même lui reconnaître ça, que tout simplement, il ne les baissait pas et qu'il voulait maintenir le pouvoir d'achat des petits retraités et que donc ça équivaut à les augmenter seulement de 40 euros, donc on peut l'entendre, simplement si ses hausses d'impôts c'est ça aussi, s'il va baisser de quelques pourcents les impôts qui sont de toute façon à un niveau atteint nulle part en Europe. On va parler de François Hollande, fin de la séquence Valls, puisque demain c'est François Hollande qui va tenir sa conférence de presse. Écoutez ce qu'en dit le Premier ministre. Je vois presque tous les jours le président de la République, nous parlons en tout cas au quotidien, et le président de la République est pleinement à sa place, conscient des responsabilités qui sont les siennes, avec la volonté, oui, de protéger la France face à la menace terroriste et de protéger les Français face à la crise économique et sociale. Et il tient bien la barre et nous poursuivrons notre chemin. Est-ce que ce vote de confiance peut redonner une dynamique à François Hollande ou pas ? Non, on ne sent pas ça. Non. Hier, on a surtout senti un Premier ministre qui était englué dans les querelles incessantes de la majorité qui ne touchait pas les Français, qui était affaibli par un président très impopulaire, qui était affaibli par des polémiques morales, Trier-Valeur-Thévenou, qui ne cessaient pas, puis qui était surtout très atteint par les résultats économiques cataclysmiques. Donc on l'a senti très contraint et j'ai peur qu'on sente aussi demain François Hollande très contraint. La séquence est noire et pour le chef de l'État, demain, elle sera sans doute noire. Sans doute internationale au début, il va sans doute parler de l'engagement de la France en Irak et en Syrie. Mais là, François Hollande, soit il y a un miracle qui se passe dans sa tête, qui se passe dans le pays, qui fait que tout à coup, les gens sont de nouveau disposés à l'entendre. C'est-à-dire, je ne sais pas, tout à coup, il se met à parler très franchement aux gens. Ou alors, des résultats, ce sont plus des mots aujourd'hui. Non, ça c'est ce que pense la sphère politique et médiatique. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut de la sincérité. Vous faites partie de quelle sphère ? Moi, je suis tout à fait en dehors de ces sphères. Je regarde ça d'un œil extérieur et je pense qu'il faut qu'il parle franchement aux gens. Ce qui était relativement agréable dans l'interview que vous avez faite de Manuel Valls, c'est qu'on sentait une certaine sincérité. On sentait d'ailleurs une exaspération. C'était une sincérité qui se traduisait par de l'agacement, mais on sentait une volonté d'incarner l'État, d'incarner l'action publique en marche et d'incarner le fait que la politique peut encore quelque chose. Vous sentez surtout que c'était dur et que la lessiveuse Matignon était en marche. D'accord, oui, mais
Oui, mais ça, c'est l'aspect psychologique des choses. On Moi, conclut. Ce que je vois, c'est que François Hollande incarne une puissance publique qui ne peut plus avoir de prise sur le réel. Quand il parle, on a vraiment l'impression que si demain, il décide que la pelouse de l'Élysée sera tondue, ce ne sera pas fait. Tandis que Valls, quand il parle, on a une impression... Il annoncera peut-être quelque autre chose. Rendez-vous... Bon, faut conclure, je suis désolée. Il faut conclure. Ouais, vraiment, un mot. Bah, en un mot, ce que je trouve intéressant, c'est que Valls est en train de transformer la gauche et de faire gagner le camp des pragmatiques sur le camp des idéalistes. Et je pense qu'aujourd'hui, hélas, l'idéalisme en politique est devenu impossible.